Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop et on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Parkitect. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai thématisé un peu notre Inverted Coaster de la dernière fois. Bon, très belle intégration, je trouve, ça va. C'est pas trop mal hein, pour un Inverted. Je pense que je suis plutôt assez satisfait. Bon, pas énormément, puisque je voulais une thématisation assez bien précise. J'ai pas bien trouvé ce que je voulais exactement. Je trouve que la gare, elle est un peu trop simpliste en fait. Je voulais un parcours mieux intégré avec la file d'attente. Bon, ça va encore, mais c'est pas exactement ce que j'attendais en fait, c'est ça. Bref, et puis je l'ai mis, bien entendu, je l'ai ouvert, et donc forcément nos visiteurs peuvent enfin y entrer. Le problème c'est que comme le coaster se situe assez loin de l'entrée du parc, les visiteurs sont obligés de quand même faire un sacré bout de chemin. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je suis pas son Alpha 6, l'Alpha 7 est d'ailleurs déjà sorti, hein. J'ai pas voulu faire la mage, la mise à jour, parce que tout simplement on n'avait pas découvert l'Alpha 6, donc autant passer en Alpha 7 plus tard, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'Alpha 6 ajoute? Elle ajoute les auto-tamponneuses, donc les fameuses bumper cars en anglais. Je crois qu'au niveau des flat rides c'est tout. Elle ajoute aussi la pluie, hein. C'est assez important de le préciser, la pluie. Et elle ajoute aussi surtout les Hydraulic Launch Coasters. C'est les fameuses grosses impulsions qu'offrent les Intamin, hein. Je pense notamment à E-Speed, à Mirabilandia ou encore dans les fameux parcs turcs, hein. Je crois qu'il y en a deux d'accélérateurs Intamin. À hydraulique, attention, hein, pas... pas la propulsion électromagnétique, hein, ne pas confondre avec Taron, mais entendu, puisque Taron c'est un LSM. Et je crois que c'est à peu près tous les spinning coasters, je crois qu'il y en avait la dernière fois. Et c'est tout. Hein, c'est vraiment la pluie, hein, le gros ajout de ça, plus les hydrauliques launch coaster. Alors je pense que c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Hein. Comment on va placer ça? Très honnêtement, j'ai envie de virer ces deux coasters qui sont horribles au niveau intégration. Je pense qu'on est tous les deux, enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais je pense qu'on va s'abstenir pour aujourd'hui, puisque j'ai envie de faire des coasters à débit. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Tenez, par exemple. Voilà, on va mettre la gare plutôt de ce sens là, et on va faire partir le coaster ici, et le top hat, on va le mettre pas trop loin de l'entrée, histoire d'avoir un bon point de vue sur la montagne russe. On va un peu surélever, parce que ça me plaît pour... Voilà. C'est de ce sens là, ok, super. Alors combien y a-t-il de trains? Comment faire de train? Alors le launch, où est-ce qu'on va le mettre? C'est ça le launch? Non, quand même pas. Ah voilà. Un gros launch hydraulique. C'est magnifique. Ah bah non, là il va démarrer plusieurs. C'est bon. C'est pas ce que je veux. Ah ouais, mais il va y avoir le... Il va y avoir le l'air ras d'ampère là. Mettre ça à... Oh non, pas 5. Mettre ça à 130. J'ai bien 130. J'ai bien envie de voir comment se comporte l'attraction. Mais on va d'abord fermer G-Lock pour le mettre ailleurs. En plus c'est un des pieds assez pourri de G-Log, donc la limite c'est pas plus dérangeant. Enfin, il n'y a pas des bits terribles. Je peux pas le mettre ailleurs au lieu de le détruire directement comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est possible. C'est pas grave.
On le met, on en reconstruira un ailleurs. Ah ouais, par contre, il y a toujours ce truc assez chiant, comme dans RCT2. C'est-à-dire que les visiteurs rentrent dans la file d'attente. Or, c'est pas du tout ce que j'ai envie. RCT 1 et RCT 2, hein, les deux. Par contre, les visiteurs ont l'air quand même assez fatigués. Je sais pas si c'est... Ah, sans doute, faut rajouter des bancs. Je pense, hein. Bench. Ok. Ici, on peut en mettre en face de la maison hantée. Voilà, on en rajoute un peu. Mettre des bancs à côté de notre Invertel. Je me demande si on peut faire des publicités pour les attractions. Parce que j'ai plus envie que les gens viennent vers notre Invertel plutôt que qu'ils restent vers l'entrée. Bon, regardez ici, ça débite pas énormément. On a mis en fait des attractions à débit au fond du parc. Or c'est pas censé être le mieux, enfin l'endroit le mieux. Entry for the staff guest. Ah ça c'est bien ça du coup. Puisqu'on ne peut pas, enfin on peut régler sur ne pas faire entrer le staff. Enfin, le... Ah que je cherche le nom. Ah, j'ai vu le train, ça m'a l'air d'être prometteur comme, comme attraction. Ah oui. Ah oui, effectivement. Tac. Il y a un peu plus de 4. Hop. J'aimerais voir ce que ça donne en test. Voilà. On atteint bien les 130. Ah, c'est pas encore assez rapide. Merde. C'est pas grave. On va mettre 145. Mettre une bosse. Pour pas que ce soit trop inutile non plus. Parce que bon. Je sais que les accélérateurs Intamin sont réputés pour être. Ça dépend lesquels, hein, mais les gros strata coasters, c'est souvent réputé pour être juste launch. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on peut pas faire plus, puisque la zone de launch n'est pas assez grande. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir le top hat. Alors, si on peut bien pivoter, voilà notre vue pour bien voir ce qu'il faut. Ok, ça m'a pas l'air d'être la bonne inclinaison. The fuck. Oh, il y a les éclairs. Ça, c'est sympa, tiens. Mais non. Mais non, mais non. Alors, si vous pouvez avoir un train test, s'il vous plaît. Ah, ça passe toujours pas. Ok. Ok, 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 ok.
On va supprimer le camelback qui pour l'instant est inutile. J'aimerais bien voir le coaster en test si vous voulez. D'accord, ouais, faut le temps qu'il s'accroche sur le sur la zone de launch. Ok. Ouais, ça passe. Super. Alors, je me demande si je crois pas qu'il y aura d'airtime. C'est pareil. Il n'y aura pas. Il est aussi à 4 du coup. Ouais non, pas de loop sur un accélérateur. On pourrait hein, mais non. Tac. On a clean. Je ne sais pas si c'est la bonne case tout exactement. Pas du tout. Là c'est bon. C'est super. Hop, on incline à 0 degré. Et là ce sont les freins. Je me demande peut-être réduire. Voilà. Je sais pas du tout combien de temps on pourra mettre. En fait, je vais supprimer la gare pour pouvoir mettre. Parce que, comme vous pouvez le voir, le train, en fait, avant le launch, reste bloqué un petit peu de temps dans dans la gare. Or, pour essayer de libérer les trains, pour essayer d'avoir des unloads fluides, enfin des loads fluides, plutôt. Non, je ne veux pas supprimer, je veux juste continuer de construire, merci. Pourquoi c'est pas possible? Voilà. Et là, je crois que ça rentre. Ouais. Et là, on va mettre un bloc break. Non, pas ça. Voilà, merci. Ok, nickel. Et là, normalement, ça doit s'accrocher au launch. Et ça doit faire l'accélération. Qui doit passer le top hat. Nickel, ça passe. Et le camelback, c'est pareil. Ça doit passer, ça passe. Et je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus. Peut-être regarder les G-Force. Les G-latéraux, ça va. Ah non, ça c'est le G-vertical. Ouais, les G-latéraux, je me doutais qu'il y avait un petit problème. Les airtime, il y en a un peu. Ah, il y en a surtout là, oui, bon, c'est pas étonnant à la limite. Et velocity. Ok, ça c'est la vitesse. Mettre l'entrée ici. Super.
Donc on va essayer de modifier un peu ici de ce côté-là, au niveau de l'inclinaison surtout. 80 aussi. C'est parfait. C'est pareil. Ok, ça passe. Ah, il y a vraiment les jets latéraux. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais ça passe pas. Ça veut pas passer. Ça me paraît pas plus du tout. Hein. Bref, on va faire la file d'attente. On va l'allonger à côté du. À côté de la. Du launch. On va la faire longer de ce côté-là. Et on va même, tiens, prendre la. L'ancienne file d'attente de G-Lock. Pour pouvoir justement. Enfin, on recycle la file d'attente, quoi. Grosso merdeux. Si je peux avoir ce visiteur. Et ensuite faire la file d'attente. Qui sera de la même couleur. Ouais. Je vais plus la changer de couleur parce que ça fait trop classique. Les visiteurs rentrent quand même, hein. Je sais pas si c'est normal. Voilà, super. Voilà, et je sais pas combien de temps on peut mettre. Collection Coaster, setting, deux trains, ils sont mis. Pas synchronisé les stations. Tiens, on peut changer les trains. Mais j'ai pas vu ça, dites donc. Donc sur d'autres coasters, on va peut-être pouvoir changer des trains. Super, donc on peut mettre deux trains. Ok, rail, de quelle couleur? Blanc, ça fait trop blanc. Ah. Ce qui est logique, excusez-moi. On met ça rouge, c'est bien rouge. Pas plus clair que ça. Non, 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 j'ai supprimé l'allée, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'arrive pas à supprimer cette satanée. Voilà. Ok. Copier. Non, ça va. Merci. Super, bon, tout rouge. Je sais pas si ça rend super bien. Mais bon, on s'en va encore rouge. J'espère que les visiteurs vont au moins pouvoir le rider. C'est tout ce que je souhaite au coaster. Parce que j'ai comme il y a un peu trop de jets latéraux. Ah! Ah, ils ont ajouté les pannes maintenant. Rocken. Campagne. Ça, c'est bien ça. Non, par contre, je sais pas comment ça marche du coup, les pannes. Merde. Décidément. Je me trompe tout le temps de touche. Stafford. Ah bon, je sais pas du tout comment on fait pour recruter. Ah ici non? Guest, notre visiteur, ouais. Staff, oui. Mécanicien. Ok, super.
Bah, je pense que le. Je pense qu'on va virer bientôt le coaster en bois. Bon, là, c'est bien. On a un beau coaster. On a un beau coaster avec un bel airtime en plus. C'est un plus un camelback qu'un airtime. Voilà, donc je pense que la prochaine montagne russe à virer, ce sera ça. Et l'hyper. Enfin, le méga, du coup, puisque c'est un Intamin. Ça n'existe pas les hyper chez Intamin. Je pense que c'est bien. Tiens, tout à l'heure, on était à 0 degré, fun fact, 0 degré. Et là, maintenant, on est à 23 degrés. Et c'est un peu tout ou rien. Bref. Bon, c'est sympa. Le spinning, j'ai juste envie de voir ce que ça rend en fait. Ok. Et est-ce qu'on peut modifier aussi les trains pour mettre des moreurs? Spinning core? Ouais, non. On a que les Garchlower. À croire qu'ils adorent Garchlower. Là, je crois que c'est possible de changer les trains. Ouais. C'était logique. Là, c'est les trains GCI et les deux autres, c'est les trains de chez Custom Coaster International. Enfin, les Philadelphia Toboggan Coaster, puisque Custom Coaster International produit pas ces. Enfin, n'a jamais produit d'ailleurs ces trains lui-même. Ils ont toujours appelé. Toujours fait appel à Philadelphia Toboggan Coaster. Bref, on va supprimer ça dans un premier temps. Bon. Je vois que ça fonctionne bien. What? The fuck? Ah oui, d'accord. J'ai oublié de construire la sortie. Comme un débile. Ah d'accord, on peut faire aussi des chemins d'employés. C'est pas trop mal ça. Ah, par contre, sans le chemin de sortie, c'est forcément que ça le fait pas. Voilà. Ah, c'est bien mieux. Le bruit des guests. Par contre, s'il pouvait rentrer, enfin, revenir du côté des allées, ce serait gentil. Je ferai sans doute des petites modifications en off, hein, comme d'habitude, je vous le rappelle. Parfois, je fais des modifications, je m'en rends même pas compte. Enfin, si je m'en rends compte, je m'en rends compte je le fais en off, et puis j'oublie complètement que je l'ai fait en off, et du coup, je le dis pas en arrivant en épisode. Et du coup, vous me dites, mais ça vient. Ça apparaît tout seul, je dis non. Non, pas du tout. Donc voilà, on a donc un nouvel accélérateur coaster qui est ma foi pas trop mal. Hein. Juste, il manque des supports au top hat et je trouve qu'il y en a trop peu. Regardez comment on a de supports sur le top hat, on en a un seul. Alors si un top hat tient comme ça, vous m'appelez. Hein. Je crois qu'il n'y en a aucun d'ailleurs. C'est pareil, j'aime pas du tout cette zone. J'aime bien ici le Zeerer, là, le Starship Zeerer. Mais j'aime pas trop la théma de la zone. Parce que regarde, on a deux coasters entrelacés, c'est des Utenbach. Là, ça fait plus un carré en fait. Ça n'existe pas des coasters carrés comme ça. Là, c'est pareil, c'est un peu carré en fait. C'est moche. C'est pas un layout joli comme celui-là bah, en fait, il n'y en a pas d'autres. Voilà, la prochaine fois, sans doute qu'on fera une montagne russe en bois, on essaiera de la compacter. Ah, on supprimera celle-là, on fera une bien compacte. On la mettra sans doute ici ou non, à l'entrée. On supprimera ces deux coasters et puis on verra ce qu'on fera. Sans doute que je supprimerai ces deux-là. Je ferai un coaster en bois ici, dans cette zone-là, bien compacte. Comme il faut. Bref, donc on va se retrouver pour un prochain épisode de Parkitech, j'allais dire Plane Custom, non c'est pas Plane Coaster. Comme vous avez pu le remarquer, mes épisodes sont de plus en plus longs, donc ici je vais revenir au format habituel à 25 minutes comme d'habitude. Parfois je déborde sur 30 minutes, mais c'est involontaire puisque je vois pas le temps passer tout simplement. Bref, donc on va se retrouver pour un prochain épisode de Parkitech, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous adorez mes vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mon Twitter pour ne manquer aucune information concernant la chaîne. Allez, à plus tard. On va se quitter juste en face du launch coaster qui vient de démarrer. C'est pas grave. Bon, à plus tard. Yes,
résumé.